Alors ce soir nous sommes dans le cours 344 d'art dramatique. Alors je parle un peu fort pour ceux qui n'entendent pas au fond. Alors aujourd'hui on va faire un cours très très spécial sur la posture du comédien. La posture du comédien. La posture du comédien. Du comédien. Alors, la suite de la conférence d'Ivan Ivanovitch, c'était... Mesdames et messieurs, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir, le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac, ben va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, dames, je vous invite à écouter mes propos avec le respect qui s'impose, faute de quoi ils pourraient nous en cuire. Ce qu'effraie une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. La 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 la. La 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 la. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si par exemple on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute à cause de dépression nerveuse. Messieurs, dames, le tabac est essentiellement une plante. Messieurs, dames, quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. Mais j'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché de notre quatrième fille, Varvara. Et toutes mes filles sont nées en 13. Mais, à quoi bon parler? Poursuivons, notre temps est limité. Bon, à propos, j'allais oublier de vous dire. Ma femme dirige une école de musique et un pensionnat de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme.
entre nous. Bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un copec. Alors, mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est-à-dire, c'est moi qui fais les provisions, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Mais ne nous écartons pas de notre sujet. Poursuivons. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Et si vous désirez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 copecs l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 30 copecs l'exemplaire. Qui en veut? Bon. Alors, 20 copecs. Ah, c'est bien regrettable. Je vis avec ma femme depuis plus de 33 ans. Et voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, non. Mais tout comme elles se sont envolées comme un seul instant de bonheur à proprement parler. Et que le diable les emporte. Mais elle n'est pas encore arrivée. On peut parler librement. On peut s'amuser. On peut parler librement. Messieurs, dames. Je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez. Je vis avec ma femme depuis plus de 33 ans. Et voilà bien les meilleures années de ma vie, c'est-à-dire pas les plus heureuses, mais tout comme. Elles se sont envolées comme un seul instant de bonheur pour m'en parler. Bon, là je mélange, hein. Je mélange tout. Eh oh, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas répété ce truc, ou 6 mois, je sais pas moi. Je le répète plus. C'est pas un truc que je fais souvent. À l'époque, oui, je le faisais tous les jours. Pendant 15 ans, je l'ai fait. Ça suffit, oh, basta, hein? Oh! Je vais pas toute ma vie répéter le même texte, quand même, oh! Je l'ai oublié, j'ai le droit de l'oublier, oh, un petit peu. Bon, enfin, vous voyez? Comment on peut jouer la comédie avec son propre caractère, sa propre force, ses propres motivations personnelles, un peu gouailleur, un peu menteur. Ça ne veut pas dire que je suis menteur, mais pour jouer un personnage, on peut mentir un peu aussi, hein? On est un peu obligé de mentir, puisqu'on joue dans des circonstances qui ne sont pas les mêmes que dans notre vie, quand même. Hein? On ne peut pas dire la vérité sans arrêt. C'est impossible, puisqu'on joue des personnages. Vous comprenez, quand même. Hein? Alors, cette posture du comédien, c'est celle qui va donner le dynamisme au personnage. Vous voyez? C'est ce qui va le
lui donner la force, le ressort. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était le cours 344 d'art dramatique. J'ai voulu revenir sur un petit passage d'Ivan Ivanovitch. Je ne peux pas tout faire, il faudrait encore un quart d'heure. Là, ma vidéo, elle va sauter. Et puis, je ne vais pas faire un film de 2 heures aussi. C'est suffisant, ça vous a plu. C'est l'essentiel. Merci, au revoir. La 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 la. La 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 la